Bonjour Emeline. So this is the summary of what we did last week. I completely skipped this stuff. I don't know what happened, but quelle est ta nationalité? What is your nationality? Quelle langue parles-tu? So here we have different kids. So je suis mexicain. Je vis au Mexique. Je suis libanaise. Je vis au Liban. Je suis américain, je vis aux États-Unis. Je suis sénégalaise, j'habite au Sénégal. Je suis allemand, German, j'habite en Allemagne. Je suis japonaise, j'habite au Japon. So, ça c'est les drapeaux, le drapeau français, le drapeau canadien. Le drapeau italien, le drapeau belge, le drapeau chinois, le drapeau libanais. OK. La France, le Canada, l'Italie, la Belgique, la Chine, le Liban. Je suis américain, j'habite aux États-Unis, je parle anglais, tu es libanais. Tu habites au Liban, tu parles arabe. Elle est italienne, elle habite en Italie, elle parle italien. So, arabe is, you have some countries where they can speak Arabic. You're gonna receive the tracks as well. Okay, so tu connais les différents drapeaux, le drapeau français. Canadien, italien, belge, chinois, libanais. Je m'appelle Emma, je suis française, j'habite au Mexique. Je m'appelle Emmeline, je suis américaine et j'habite aux États-Unis. Okay. So, next time we're going to continue with this book and talk about the Sun King and also different subjects. Luke, page 30-31, jus d'orange. I don't know what it was here. Ah, yeah. Talking about a bakery and the different things you can buy in a bakery. So, une baguette. Un pain complet. So, whole wheat bread. Du pain, just bread. La boulangerie. Un croissant. Ok. Un pain complet, the whole wheat bread. Le croissant aux amandes, the almond croissants. Le 2 octobre, which is today actually, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 10 ans. Joyeux anniversaire, Luc. Le 23 mai, c'est l'anniversaire d'Emeline. Qu'est-ce que tu voudrais faire pour ton anniversaire? So, je voudrais une tarte aux cerises. So, en France, nous avons un gâteau, enfin une tarte, qui s'appelle le clafoutis. Le clafoutis est un gâteau tarte français aux cerises. Il y a un autre gâteau qui est très fameux, c'est le gâteau aux fraises à la crème, qui est très simple à faire. Les baies bleues, blueberries, les figues, figs, les dattes, dates. J'adore ça toute l'année ou de temps en temps, time to time. Oui, les Français mangent beaucoup de pain. Le boulanger fabrique le pain. Il y a beaucoup de boulangeries en France. La baguette est un pain. Et dans les boulangeries, il y a aussi des viennoiseries. Alors, c'est quoi les viennoiseries? C'est pain au chocolat, croissant, croissant aux amandes, etc. OK? So, voilà. Les Français mangent beaucoup de pain. Le pain traditionnel français est la baguette. En France, il y a donc beaucoup de boulangeries. Il y a toujours une boulangerie pas loin dans les villes. Et on trouve aussi toujours une boulangerie dans les villages. Dans les boulangeries, on trouve du pain, mais aussi des croissants, des pains au chocolat, des brioches. Souvent, la boulangerie est aussi une pâtisserie. Il y a des gâteaux. Donc, les viennoiseries, c'est ça, brioches, pain au chocolat, croissants, etc. Voilà. Voici donc le résumé du jeudi 24 septembre. L'autre va arriver très bientôt. Au revoir.